C'est vrai que ça fait une place de plus, mais que Claude dans le groupe prenait une place assez importante par rapport justement à son expérience. Mais encore une fois, comme l'a dit le coach, c'est pas au joueur de donner sa retraite. C'est le coach qui la donne. Donc voilà, il est peut-être susceptible de revenir. Donc s'il revient, je serais content. La retraite de Claude, ben, c'est la retraite de Claude. Après, aujourd'hui, moi, j'ai la chance de jouer. Le coach, il me fait confiance pour l'instant. Ben, j'espère ne pas le décevoir et puis de jouer le plus de matchs possible. Mais après, honnêtement, moi, je ne me prends pas la tête avec ça. Quand Claude, il était là, j'étais là aussi. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a on va dire qu'il y a un peu plus de responsabilité. Mais bon, faut pas se prendre la tête avec ça, rester les mêmes et puis jouer. Et puis, tout va bien se passer. Installé, je pense pas. Comme je dis souvent ici, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui est installé. Il y a pas mal de joueurs, il y a pas mal de concurrence. Après, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai souvent joué. Mais il n'y a pas plus de responsabilité que ça. Il faut donner le meilleur de soi-même et puis voilà. Ça fait pas mal de temps qu'avec le groupe France, ça va, tout le monde est sympa avec moi, que je me sens bien ici. Maintenant, après, la vérité, c'est sur le terrain. Donc, je dis moi tout simplement qu'il faut rester le même. Aujourd'hui, quand on joue, c'est pas pareil que quand on joue pas. Donc, quand on joue, il faut montrer, que ce soit milieu, défenseur ou attaquant. Si tu dois dire quelque chose, il faut le dire. Puis, c'est dans l'intérêt de l'équipe, de toute manière. Donc, faut jouer son football et pas se prendre la tête avec les calculs. On sait que c'est une équipe qui est assez grande par la taille et qui joue beaucoup sur le jeu long et sur des déviations. Donc, ce sera à nous d'être concentrés, d'être présents et d'être prêts au duel aérien. Et après, c'est à nous de faire notre jeu comme on sait le faire. Et je pense que si on fait notre jeu, il n'y aura pas de souci. J'ai joué une fois contre eux déjà. Je sais que c'est des gros gabarits. On va dire ils jouent beaucoup de jeux aériens. Après, bon, nous, on va essayer de jouer notre football et puis de ne pas se prendre la tête avec les Autrichiens. Juste faire un bon match, rester concentré, sérieux, et puis je pense que ça va bien se passer.